Bien, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, merci d'être là ce soir. Monsieur le Premier Secrétaire de l'Ambassade de Côte d'Ivoire, Premier Conseiller de l'Ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, Monsieur le Ministre, Président du Conseil Régional en Sud-Comoué, Monsieur le Directeur Général, chers amis de la presse, chers amis journalistes, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je me retrouve dans cette enceinte, quasiment un an jour pour jour. L'année dernière, c'était à l'occasion d'une conférence de presse, à l'instar de celle d'aujourd'hui. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous exprimer à vous, Monsieur le Premier Conseiller de l'Ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, à l'ensemble du personnel de l'ambassade, ma gratitude pour toutes les marques d'attention dont la délégation qui m'accompagne et moi-même avons été l'objet. Je voudrais également saluer toutes les personnes que je qualifierais d'amis de la Côte d'Ivoire qui sont venues spontanément suivre cette conférence de presse. Dans la foulée, permettez que je mette un point d'honneur à m'acquitter d'un devoir, celui de transmettre les salutations du peuple de Côte d'Ivoire, son président, Son Excellence Alassane Ouattara, au peuple français et à son président, son Excellence François Hollande. Je voudrais également présenter les condoléances de son Excellence Alassane Ouattara, du peuple ivoirien, de toute la délégation qui nous accompagne pour la tragédie que vit la France depuis quelques heures avec l'acte odieux qui a été commis en Algérie. Je voudrais enfin saluer l'ensemble des journalistes et hommes de médias qui ont accepté de venir ici dans cette salle pour nous écouter, partager nos émotions, comprendre pour découvrir le nouveau visage de la Côte d'Ivoire. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il y a un an, j'étais présent dans cette salle pour parler des ambitions et projets du gouvernement ivoirien de façon générale, et particulièrement ceux relatifs au tourisme. En un an, la Côte d'Ivoire a connu des avancées importantes dans tous les secteurs. Pour vous en donner un aperçu saisissant, je vous entretiendrai sur l'environnement socio-économique, sécuritaire et enfin le nouveau visage du tourisme ivoirien. Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Premier Conseiller, Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse, la Côte d'Ivoire, je l'affirme haut et fort, a repris sa place dans le concert des nations. Elle est redevenue fréquentable. Elle est redevenue un pays où chacun peut vivre en toute tranquillité, entreprendre et prospérer en toute sécurité. Cette assertion n'est pas sans fondement. Elle découle d'une réalité tangible. À ce propos d'ailleurs, permettez que je cite le président français lors de sa visite en Côte d'Ivoire le 17 juillet dernier pour étayer mes propos. Et je cite, « La Côte d'Ivoire a relevé les trois défis qu'elle avait en face d'elle. Le premier défi qui paraissait majeur, c'est celui de la sécurité, de la paix civile. Le deuxième est celui de l'économie. Comment aurait-il pu être possible d'imaginer une telle économie dans un pays qui était en proie aux violences depuis 2012. Il y a une croissance en Côte d'Ivoire dans l'ordre de 9% par an. Pour être précis, c'était 9,8% en 2012, 9,1% en 2013, et on pense obtenir un taux de croissance à deux chiffres selon les institutions financières internationales, Banque mondiale, FMI, SFI, de l'ordre de 10,1 à 10,2% pour 2014. Et je continue la citation du président Hollande. Le troisième défi, qui était sans doute le plus délicat, le plus difficile, c'est celui de la réconciliation. Je salue les progrès qui ont été effectués dans le dialogue. Fin de citation. Avec l'environnement nouveau qui prévaut, tout ou partie des grosses structures, des institutions ou hommes d'affaires sont de retour. Je prendrai simplement l'exemple de la Banque africaine de développement, la BAD, qui a regagné son siège statutaire d'Abidjan. Pour rappel, le lundi 8 septembre dernier a eu lieu dans la capitale économique ivoirienne la première réunion du groupe de la banque. Le retour de la BAD, c'est au moins 2 000 personnes, et comme l'a souligné le Premier ministre, Kablan Duncan,
Ce retour constitue un signe de fierté et d'opportunité sur le plan économique et financier, avec l'augmentation de la consommation, la création d'emplois directs et indirects et le développement des activités touristiques. Si je me focalise sur le retour de la BAD, c'est pour en souligner la symbolique qui, elle-même, à mon sens, est la preuve que le pays est en marche, que la sécurité est de mise. Car, pour tout vous dire, s'il existait encore des nuages dans le ciel social ivoirien, la Banque panafricaine ne serait pas retournée à son siège en statutaire. Puisque, souvenez-vous, c'est à cause de l'insécurité consécutive à la crise que nous avons connu que la Banque s'est délocalisée à Tunis. Ce retour de la BAD se fait dans un contexte où les indicateurs économiques sont au vert et l'environnement des affaires aseptisé. En effet, suite aux mesures prises par le gouvernement, la création des entreprises a largement augmenté. Rien que pour l'année 2014, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, le CPC, a enregistré la création de 4000 entreprises. Et 2014 n'est pas terminé, comme vous le savez. Dans ce mouvement généralisé, le tourisme n'est pas en reste. Pour votre gouvernement, depuis 2011, le gouvernement a bâti un plan quinquennal dont l'objectif est de faire du tourisme un facteur de cohésion sociale et un moteur de développement économique pourvoyeur d'emplois et de richesses. Cet objectif se décline en trois objectifs spécifiques et 10 stratégies qui sont, pour l'objectif spécifique numéro 1, d'améliorer l'environnement du secteur du tourisme. Les stratégies qui le sous-tendent sont le renforcement du cadre institutionnel et juridique, le renforcement des mécanismes de financement. Pour l'objectif spécifique numéro 2, c'est améliorer l'offre de services du secteur du tourisme avec comme stratégie le développement des infrastructures du secteur du tourisme, la mise en place d'outils d'évaluation et de suivi des activités du secteur du tourisme et le renforcement des capacités des structures d'accompagnement et des ressources humaines dans le secteur du tourisme. L'objectif spécifique numéro 3 est la promotion du tourisme, promouvoir le tourisme de Côte d'Ivoire. Les stratégies qui en découlent sont la valorisation des produits du tourisme, l'insertion des jeunes et des femmes dans le secteur du tourisme, la vulgarisation des produits du tourisme, la promotion des produits du secteur du tourisme, et le renforcement et l'élargissement de la coopération. Sur la base de ce gouvernail, de nombreux actes ont été posés selon un échéancier préalablement défini. Ainsi, pour les 12 mois passés, et je vous en suis quelques-uns, au titre de l'amélioration de l'environnement du secteur du tourisme, nous avons conçu pour la première fois de l'histoire de notre pays un code du tourisme adopté par l'Assemblée nationale en mars dernier. Ce code sera promulgué incessamment. Nous avons également le Fonds de développement touristique, dont je salue le président Marc Vicens, qui est parmi nous ce soir, mis également sur pied et qui prend au fil du temps de l'envergure. Au titre de l'amélioration de l'offre de services du secteur du tourisme, plusieurs hôtels et établissements touristiques, dont des enseignes internationales, ont été construits, sans oublier les relais Palliotte à Avenir. Une place de choix a été accordée à la formation continue des professionnels du secteur et à la formation initiale de nombreux jeunes. Pour faciliter le voyage en Côte d'Ivoire, l'État a instauré le e-visa et réduit les coûts d'obtention du visa. Le déploiement progressif de la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire sur le territoire national contribuera à l'aisance des déplacements. Et dès le mois prochain, deux nouveaux aéronefs, des bombardiers, seront mis en vol et feront la desserte de certaines villes à l'intérieur du pays. Et ils vont commencer avec San Pedro, Mans et Boaké. Ensuite, par la suite, ils iront à Korogo et puis dans d'autres capitales de l'intérieur. Et je dois également ajouter qu'à partir du mois prochain, on sera mis en service l'Airbus A380 qui va assurer la liaison Paris-Abidjan. Au titre de la promotion du tourisme, la valorisation et la vulgarisation des produits du tourisme sont placés au cœur de nos préoccupations à travers la mise en place de nouveaux circuits, la consolidation des circuits existants. On peut citer le circuit cacao en guise d'exemple. Il faut souligner la réhabilitation du parc de la Comoé,
Il faut bien noter que la Côte d'Ivoire a créé un événementiel touristique dénommé le Salon international du tourisme d'Abidjan, le CITA. Nous avons prévu de l'organiser dans la deuxième semaine du mois d'avril 2015 pour la prochaine édition. Pour l'heure, nous sommes très attentifs à la météo sanitaire sous-régionale, avant de vous en dire plus, si vous voulez, plus tard. J'ai bien dit la météo sanitaire. S'agissant de la vulgarisation, je dois dire que nous avons un plan de promotion au niveau national et un autre au niveau international. J'espère que vous avez entendu ce que j'ai dit. Juste. Donc, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Premier Conseiller, Mesdames et Messieurs, chers invités, chers amis de la presse, retenez qu'en l'espace de 3 ans, la Côte d'Ivoire, sous la férule du président Ouattara, a fait des dons importants, des bons importants qui font d'elle un pays attractif, qui s'est résolument mis sur la route de l'émergence. S'agissant du tourisme, nous sommes en train de déployer progressivement, mais sûrement, un plan qui nous met sur le chemin du renouveau, à telle enseigne que d'année en année, il y a du nouveau. Il est évident qu'à la faveur de cet exposé liminaire, je ne pouvais que planter le décor et ouvrir le débat pour jeter des pans de lumière sur des points qui n'ont pas été suffisamment développés ou évoqués. Je suis donc disposé à échanger avec vous et je vous remercie de votre aimable attention.